ton esprit vient prendre le contrôle de mes pensées, de mes sentiments, mes émotions, ma personnalité, ma raison, mon esprit, mon âme et mon corps. Dirige toutes choses, Seigneur. Remplis-moi. Car Seigneur, tu veux encore parler des mystères qui sont dans ce monde. Seigneur, manifeste ta gloire. C'est pourquoi je prie que le sang de Jésus et le Saint-Esprit prennent le contrôle de l'atmosphère et de l'air dans ce lieu, dans ce quartier, pour neutraliser toute attaque de l'ennemi. Couvre-moi de ton sang et de l'armure du chrétien, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est beaucoup prophétique. Alléluia. Amen. Je vais parler de ce thème parce qu'on fait la délivrance. On est dans un ministère de délivrance. Et nous sommes très... La Bible dit que le monde entier est sous la domination du diable. Alléluia. Le monde est dominé par Satan et par les ténèbres. Mais l'église de Jésus-Christ est une lumière. Alléluia. Amen. Donc, je vais faire la lumière sur les différentes portes spirituelles que sont les jours, les semaines, les mois, les saisons et les années. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais donner cet enseignement sur les portes que sont ces différents temps de l'année parce que cela avait une importance capitale pour le Seigneur dans l'Ancien Testament. Quand il lit tout le chapitre 13 de Lévitique, when you read all of Leviticus 13, le Seigneur demande à son peuple the Lord asks his people de se réunir à tous les débuts each beginning de semaine. Of the week. Alléluia. Amen. Et chaque jour, ils devaient faire des offrandes. And each day they had to bring offerings des mois for months, comme des assemblées solennelles. As solemn assemblies. Amen. En effet, le Seigneur a demandé à son peuple à chaque début des différentes périodes de l'année de lui consacrer ces périodes sous forme de fêtes. So the Lord had asked these people to get together and consecrate these times to him, the beginning of the years, as celebrations, feasts. Alléluia. Et ces fêtes se soldaient par des bénédictions prononcées par les sacrificateurs. And these celebrations were under the priests, they pronounced blessings on these celebrations. Qui accompagnaient les enfants tout au long de ces périodes. That accompanied the children of God at this time. Alléluia. Amen. Donc, le plan de Dieu pour son peuple. So God's plan for his people. Il faut dire que le peuple de Dieu n'était pas soumis à notre calendrier actuel. You have to know that the people of God were not submitted. Mais comme je vais le développer plus tard, tu vas comprendre que à chaque jour, il y a une bénédiction que le Seigneur libère. Alléluia. Dans le ciel. Et comme pour Daniel, l'ennemi va toujours essayer d'empêcher ces bénédictions de se manifester dans ta vie. Alléluia. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons bénéficier de ces choses. Si les enfants d'Israël, qui étaient le peuple de Dieu, qui n'étaient pas soumis à ce calendrier grégolien, que je vais t'expliquer le don, je vais t'expliquer l'origine, à plus forte raison, nous les enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous devons nous lever chaque jour, faire des prières, et des prières de proclamation. Alléluia. Le peuple de Dieu ne connaissait pas le calendrier grégolien. Ils avaient leur calendrier qui était lunaire. Et ils suivaient le Seigneur en fonction des dates que le Seigneur avait prescrites à Moïse. Mais Dieu est puissant. Il sait que chaque jour est une porte. Il sait que chaque semaine est une porte. Il sait que chaque saison est une porte. Alléluia. Donc, il demandait à son peuple de posséder ces portes-là. Parce que c'est une promesse qu'il avait faite à Abraham. Alléluia. Mais avant de rentrer dans tous ces... Avant de développer toutes ces idées, je vais aller pas à pas. Mes recherches sur les noms des jours et des mois de l'année de notre calendrier actuel m'ont permis de comprendre que presque chaque jour de chaque jour that almost every day, de mois et de saisons
sont placés sous l'autorité d'une divinité diabolique. Amen. Je voudrais, par cette étude, attirer l'attention du peuple de Dieu sur l'importance de la prière journalière. Des prières de proclamation. Pour jouir pleinement des bénédictions du Seigneur attachées à chaque temps et détruire toute influence diabolique. Sur la vie du peuple de Dieu. On the lives of the people of God. Amen. Je vais vous donner le nom des jours et des mois et leur signification étymologique. Amen. Écoute-moi bien. Là, comme ça, quand tu vas te lever tous les matins, toi, chrétien, tu vas savoir que il faut que tu pries. So you'll know that you parce que tu es en danger. Il y a des gens qui croient que les calendriers que nous avons là sont dictés par l'Esprit de Dieu. C'est un calendrier chrétien. Quand tu vas comprendre les dieux qui dominent ces jours, tu vas savoir que toute la journée n'est pas gagnée si tu ne places pas ta journée sous l'autorité de Jésus. Origine latine du nom des jours. Le mot lundi vient de lunea dies, qui signifie jour de la lune. Amen. Donc, le lundi est placé sous l'autorité des esprits démoniaques qui contrôlent la lune. Alléluia. Le mardi vient de Matis de, qui signifie jour de masse. It means the day of the mass. Amen. Pour tous ceux qui ont vu mon enseignement sur la sirène des eaux, je vous ai parlé un peu des esprits qui contrôlent les différentes planètes. Alléluia. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus ici. Vous pouvez aller regarder. Cette conférence est sur YouTube ou bien sur notre site internet. Mercredi vient de Mercodis Dei, qui signifie jour de Mercure, la planète Mercure. So Wednesday means the day of Mercury. Jeudi vient de Jovis Dei, qui signifie jour de Jupiter. Thursday is the day of Jupiter. Vendredi vient de Veneris Dei, qui signifie jour de Vénus. Friday is the day of Venus. Samedi vient de Sabbati Dei, qui signifie jour du Shabbat. Saturday is the day of the Sabbath. Dimanche vient du Dei Dominicus, qui signifie jour du Seigneur. So Sunday means the day of the Lord. Et ces deux jours, and these two days, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, étaient placés sous l'autorité d'une divinité diabolique. Mais les chrétiens des premiers jours ont dû batailler fort pour que le jour, le nom de ce jour-là puisse changer. Alléluia. Et correspondre à la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Donc, toi, chrétien, je vais te parler des portes qui sont les jours. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Alléluia. Et aussi, il y a les mois. Alléluia. Janvier vient du nom de Januaris Mensis, qui signifie mois de Janus. Means the day of Janus. Dieu romain du commencement. The Roman God of the beginning. Février vient de Fabriarus Mensis, qui signifie mois de purification. It's the month of purification. Alléluia. Mars vient de Maritus Mensis, qui signifie mois de Mars, Dieu romain de guerre. March means the Roman God of war. Donc si tu fais beaucoup de palabres en Mars, so if you have a lot of tu sais maintenant l'origine. You know why. Alléluia. Amen. Avril, April, vient de Aprilis Mensis. Aprilis. It comes from Aprilis Mensis. Qui signifie mois d'Aphrodite, déesse de l'amour. Means the month of Aphrodite, the goddess of love. Amen. Si tu es chrétien, que tu es trop tenté là. If you're a Christian, you're tempted a lot. En avril là. In April. C'est Aphrodite. It's Aphrodite. Mai. Vient de Maius Mensis. Maius. Maius Mensis. Alléluia. Qui signifie mois de Maya. It's the month of the Maya. Fille de l'Atlas. The daughter of Atlas. Et Pléoné. And Pléonis. Mère d'Hermès. Mother of the Mass. Tout ça, ce sont des dieux de la mythologie grecque et romaine.
These are the Greek and Roman mythology. Juin vient de Junis Mensis. Comes from Juanus Mensis. Qui viendrait de Junon. It comes from Juno. Déesse italique ou alors le Junius Brutus. It comes from Junius Brutus or the Italic god. Premier consul romain. The first Roman consul, god of consultation. Juillet. Vient, le mois de juillet vient de Julius Mensis. Julius Mensis. Moi en l'honneur de Jules César. The month in honor of Julius Caesar. Alléluia. Août vient de Augustus. Augustus. Comes from Augustus. Mensis. Mensis. Moi en l'honneur de. The month in the honor of. De l'empereur romain Auguste. The Roman Emperor Augustus. Septembre. September. Vient de September. Mensis. Comes from September Mensis. Qui signifie septième mois de l'année. Meaning the seventh month of the year. Octobre. October. Vient de October Mensis qui signifie huitième mois de l'année. Comes from October Mensis which means the eighth month of the year. Novembre. Vient du November Mensis qui signifie neuvième mois de l'année. It comes from the November Mensis which means the ninth month of the year. Décembre. Vient de December Mensis qui signifie dixième mois de l'année. It comes from December Mensis which means the tenth month of the year. Amen. Amen. Anciennement, l'année commençait en mars, comme chez les Juifs. Before, the year started in March, like with the Jews. Amen. Avant. Before. L'année commençait par le mois de mars. The year started in the month. Ils essayaient de faire peut-être correspondre ça à l'année juive. It corresponded to the Jewish. Ce qui explique pourquoi septembre, octobre, novembre et décembre. That's what it, why it explains September, October, November, December. Signifie respectivement septième. Means respectively the seventh. Huitième. Eighth, neuvième et dixième mois. Ninth and tenth months. Alors qu'actuellement, but actually, l'année civile our civic calendar débutant en janvier, begins in January, ces mois sont les neuvième, dixième, onzième et douzième mois de l'année. And these are actually the ninth, tenth, eleventh and twelfth month of the year. Si juillet, si le mois de juillet est dédié à Jules César, if the month of July is dedicated to Julius Caesar, c'est parce qu'il s'agit du mois de sa naissance. That it is the month of his birth. De cet empereur qui fut un des réformateurs du calendrier. This was an emperor who reformed. Alléluia. Our calendar. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que nous devons prier pour dire au Seigneur que ta bonté, que ta miséricorde qui se renouvelle tous les matins se renouvelle en ce jour dans ma vie. Alléluia. En tant que chrétien, peut-être que tu t'es dit que comme c'est un calendrier romain, ça, c'est chrétien. Aujourd'hui, tu te rends compte que les jours de l'année sont placés sous des autorités démoniaques, des esprits qui viennent des différentes planètes ou bien des esprits humains. Et ce sont ces esprits-là qui influencent chaque jour le monde. Alléluia. Parce qu'on leur a donné le droit légal. Amen. C'est comme si tu as un enfant et tu lui donnes le nom de... en espagnol, je ne sais pas, on appelle, il y a un nom, Satana. And you give the child the name in Spanish name of Satana. Alléluia. Amen. Quand tu donnes Satana à ton enfant, ça veut dire quoi? When you name your child Satana, what do you ça veut dire que ton enfant est un autel de Satan. Means your child is an altar to Satan. Et que Satan peut venir prendre possession de lui. And Satan can come and possess them. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi elle a banni le nom d'Hitler? You know why they don't allow people to... Personne sur cette terre ne peut porter le nom Hitler. Nobody, même si tu t'en vas aujourd'hui à la mairie pour dire monsieur, moi mon enfant s'appelle Hitler. If you want to go to civil status and name your child Hitler, si tu ne fais pas attention, if you're not careful, on va te mettre en prison. They will actually put you. Alléluia. Amen. Même le nom Judas. Even the name Judas. En tout cas, c'est ici que j'ai entendu ce nom-là quelque part. It's here that I heard the name somewhere. Amen. Amen. Parce que l'esprit qui animait ces personnes n'était pas bien. Because that person was not filled with a good spirit. Le nom est un lien. The name has a tie to... Alléluia. Amen. Si ton nom veut dire bénédiction, if your name means blessing, tu vas voir que ta vie va être source de bénédiction. You'll see that your life will be a source of blessing. Amen. Donc le fait, so the fact que les hommes de ce monde that the men of ont the placé ces jours-là sous ces autorités diaboliques have placed this day under demonic authority, donnent le droit à ces esprits-là d'opérer pendant ces jours. It gives those demonic spirits the authority. Amen. To work on D'où l'importance en tant que chrétien and the importance for us de confier chaque jour de notre vie à notre Dieu. Is to commit each day of our lives to the Lord. Amen. Amen. Je vais maintenant vous parler de l'importance des portes. I'm going to talk to you about the importance of days now. Dans la Bible,
Les portes ont une signification capitale. The doors have a very important meaning. Dépendant si elles sont ouvertes ou fermées. Depending on if they're open or closed. Dans Jean 10, versets 7 à 9, in John 10, verses 7 to 10, Jésus a dit, Jesus said, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des enclos des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera sa nourriture. Amen. So it's John 10, 7 to 9. Then said Jesus unto them again, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Amen. Dans le psaume 24, verset 7 à 9, il est dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Psalm 24, verses 7 to 9. Lift up your heads, O ye gates, and lift ye up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. Selah. Alleluia. Amen. Esaïe 26, verset 2. Isaiah 26, verse 2. Il est dit, ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Amen. Isaiah 26, verse 2. Open ye the gates that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Il faut que tu me suives pas à pas. Follow me step by step. Alléluia. C'est un message qui prend beaucoup l'attention. It is a message that needs your concentration. Et la concentration pour bien comprendre. In order for you to understand. Alléluia. Vous avez vu que j'ai lu un verset qui parle d'une personne, c'est-à-dire Jésus, qui compare Jésus à une porte. Alléluia. Et il est dit qu'il y a dans l'univers, il y a des portes qu'on appelle les portes éternelles. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut ordonner à ces portes-là de s'élever. As children of God. Nous pouvons commander que la porte s'ouvre pour que notre Dieu rentre. We can order a door to be open so that our God. Alléluia. Aussi, also, dans le verset 26 d'Ésaïe, verset 2, chapitre 26 d'Ésaïe, Ésaïe 2, d'Ésaïe, chapitre 26. Chapter 26 of Isaiah. Non, verset, chapitre 26, verset 2 d'Ésaïe. Oui. So, Isaiah 26, verse 2. Il est dit, ouvrez les portes. It says, open ye the gates. Laissez entrer la nation juste et sainte. That the et fidèle, du moins. That the righteous nation which keepeth the truth. Alléluia. C'est qui doit ouvrir la porte? Who should open this door? C'est un ordre qui est donné. It is an order that is et qui est cette nation? And who is this nation? C'est toi et moi. It is you and I. Nation juste et fidèle. The righteous and faithful nation. Alléluia. Amen. Les seules personnes the only person à qui Dieu a donné normalement le droit légal. That God gives the legal right de franchir ses portes. To go through that door. Ce sont les enfants de Dieu. Are the children of Alléluia. Amen. 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 Un jour est une porte qui vient de s'ouvrir. Each day is a door that opens. Un jour que Dieu te donne. Each day that God gives est une porte. Is a door. Alléluia. Amen. La plus haute des portes, c'est le jour. The greatest of doors is the day. La plus grande porte est le vendredi. And the greatest day is Friday. Et elle contrôle les autres jours de la semaine. It controls the other days of the week. Le dimanche est une autre porte, raison pour laquelle Jésus-Christ a décidé de mourir le vendredi et de ressusciter le dimanche. Sunday is another great door. That's why Jesus decided to die on the Friday and resurrect on the Sunday. Mm. Ce sont des affirmations. Hein? These are affirmations. Mais j'arrive, je vais expliquer plus tard. I'm going to explain it a little Amen. Bit more. Je vais te donner les preuves de l'existence des portes dans la Bible. I'm going to give you the proof of the tu vas prendre note, arriver à la maison, tu vas lire parce que je n'ai pas le temps. Or gates in the Bible. You'll take on parle des portes du ciel. It talks about the doors of dans Matthieu 3, verset 16. Matthew 3, verse 16. Et Luc 3, verset 21. Luke 3, verse 21. Les portes du royaume des cieux. The doors to the kingdom of heaven. Matthieu 16, 19.
Matthew 16, 19. Les portes des écluses des cieux. Les portes des écluses des cieux. The door to the floodgates of heaven. Malachi 3, 10. Malachi 3, 10. Les portes de la mort. The doors of death. Et les portes de l'ombre de la mort. The door of the shadow of death. Job 38, verset 17. Job 38, verse 17. Les portes du séjour des morts. Matthieu 16, 18. Matthew 16, 18. The doors to the grave. Les portes des fleuves. The doors of the rivers. Nahum 2, 7. Nahum 2, 7. Les portes de la mer. The door of the sea. Job 38, verset 8. Job 38, verse 8. Les portes du corps humain sont. The door of the human. Il y a aussi des portes. The human body. Dans notre corps. In our bodies. Il y a des portes d'entrée. There are openings. Le prophète vous en a parlé un peu the lorsqu'il faisait l'enseignement sur la délivrance. When he was teaching on deliverance. La bouche. Your mouth. Psaume 141, verset 3. Psalm 41, verse 3. Michée 7, 5. Micah 7, 5. Matthieu 15, 11. Matthew 15, 11. Les yeux. The eyes. Genèse 3, verset 5. Genesis 3, verse 5. 23. Matthew 6, 22 and 23. Alléluia. Amen. 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 Les autres, le nez, le sexe, le nombril. The nostrils, the nose. La frontanelle. Your forehead. Les paumes de la main. The palms of your hand. Les plantes des pieds. The soles of your feet. La peau et le rectum. Your skin and your rectum. Font partie aussi des différentes portes d'entrée. Are also doors of entry. Il y a aussi les portes qui sont les jours, je vous en ai parlé. There are also doors that are belong to days. Job 38, verset 12 à 15. Prends Job 38, verses. Parce que je vais 12 to 15. Prêcher beaucoup sur les jours, les portes du jour. Gonna, je vous ai dit que un jour qui s'élève est une porte. I told you that every day that rises is a door. On trouve ce verset dans Job 38, verset 12 à 15. So Job 30, that is found in Job 38. Les péchés aussi sont des portes. Sin is also a Genèse door. 4, verset 7. Genesis 4, verse 7. Romains 6, 23. Romans 6, 23. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Peter 5, verse 8. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Ça, ce sont les différentes portes spirituelles et physiques aussi que nous trouvons. That we can find. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur dit à Abraham. Here is what the Lord says to dans Genèse 22, verset 15 à 17. In Genesis 22, alléluia. Verses 15, le Seigneur dit à Abraham, au verset 17, verses 7, il dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Genèse 22, 15 à 17. À partir so du verset 17. Genesis 22, verses 15 to 17. And the eighth. C'est pas chez toi? Non. Genèse 22. Okay, excuse me. So it's at verse 17. Then that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Alléluia. Amen. 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 Vous avez vu la bénédiction que le Seigneur a prononcée sur Abraham? You see the blessing that the Lord spoke on Abraham. Cette bénédiction this blessing étant le partage de tous les descendants d'Abraham. Was the portion of all the descendants of Abraham. C'est-à-dire les chrétiens. That means the Christians. Nous devons nous saisir d'elle. We have to seize this pour posséder les portes de notre ennemi, le diable. To possess the gates of our enemy, the devil. Alléluia. Amen. Les portes. The gates, the doors. Alléluia. Amen. 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 Nous devons posséder les portes de nos ennemis. We have to possess the gates of our enemies. Qu'est-ce que nous attendons par posséder les portes? What do we mean when we say possess the gates? Comment posséder les portes? How do you possess those gates? Posséder les portes veut dire contrôler des portes. It means controlling the gates. Possession d'une porte. Posséder une porte, possessing a gate, c'est disposer de celle-ci. It means doing this. Profiter d'elle. Benefiting from. Occuper la porte. Being in possession, taking charge of that door. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. This is what the Lord Jesus il a said. Dit qu'un homme fort vient là. He says when the strong man dans une maison, qu'est-ce qu'il fait? Into a house, what does he do? Il doit lier l'homme fort qui est dans la maison. He has to bind the strong man that alléluia. Is in the house there. Pour pouvoir prendre possession de cette maison. In order to take possession of that house. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. 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 En clair, il s'agit de contrôler les portes. So to control the door. C'est prendre le contrôle total des différentes portes de l'année. And to take control of the different doors of the year. Cette prise des portes s'élargit à tous les domaines.
On y inclut les portes des grâces et des bénédictions. Including the doors of grace and blessing. Alléluia. Amen. 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 Pour ouvrir une porte de grâce, in order to open a door of grace, c'est l'acte, it's the act, la parole, of the word, l'action qui favorise l'accès à une bénédiction. It is the action that makes the act that precedes the action. Alléluia. Amen. L'acte devient une clé qui ouvre. The act becomes a key that opens. Et qui conserve ce que nous désirons. And preserves what we want. Amen, hein? Amen. Si tu veux une bénédiction, if you want a blessing, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu poses un acte. What do you have to do? You have to do là, something. Tu peux être that act can be des paroles que tu prononces. A word that you speak. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est l'acte qui favorise l'accès à une bénédiction. It is the act that precedes the blessing. Donc quand tu prononces la parole, so when you speak et que tu dis qu'au nom de Jésus, you say the name je of suis un enfant béni, I am a blessed child. Je suis héritier du grand roi. I am an heir of the Alléluia. En ce jour, on this day, je commande I order aux portes éternelles de ce jour de s'élever. The eternal door of this day to rise up. Que tous ceux qui se tiennent sur cette porte du dimanche, all those who stand at the door of que la porte de gloire, let the door of au nom de Jésus, in the name of je vous ordonne d'ouvrir cette porte. I order you to open that door, afin que moi, so that I, enfant de Dieu, a child of je rentre par cette porte de gloire pour recevoir l'onction de gloire, to receive the anointing of glory, l'onction de résurrection, the anointing of resurrection, dans tous les domaines qui areas, caractérisent ce jour de Shabbat qui est le dimanche. That characterizes the day of the Alléluia! Sunday. Parce que le dimanche because on Sunday, est caractérisé par la puissance de la résurrection. It is characterized by the power of resurrection. Alléluia! Amen. La porte du dimanche, c'est la porte de la gloire. The door of Sunday is the door of glory. Et on rentre par cette porte-là pour recevoir l'onction de résurrection. And we enter that door to receive the anointing of resurrection. L'onction de résurrection spirituelle. The anointing of spiritual l'onction de résurrection matérielle. The anointing of l'onction de résurrection marital. Of marital resurrection. Alléluia. Amen. Matrimonial. Matrimonial. Parce que tu peux avoir des bénédictions qui ont été enterrées. Because you can have blessings that were buried. C'est une puissante onction. That mighty anointing. Même la mort ne peut pas résister face à cette onction. Even the death cannot resist that. Alléluia. Amen. La Bible dit the Bible que says le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. That man's greatest enemy is death. Quand cette puissance est descendue sur l'esprit de mort. Because that spirit comes, that power comes from the spirit of death. Il n'a pas eu d'autre choix que de libérer Jésus-Christ de Nazareth. And he had no choice but to send Jesus Christ. Alléluia. Amen. Donc tous les dimanches, so every Sunday, cette puissance est libérée. That power has been released. Tu dois commander en tant qu'enfant de Dieu, and as a child of God, aux portes éternelles, you have to qui tiennent ce jour-là de s'élever, that holds that door, pour que tu rentres par cette porte-là pour recevoir ta bénédiction. To open up so that you can enter in la porte qui est ce jour. That door that belongs Alléluia. To that Amen. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a dit quoi? What does the Lord tell us? Dans Malachie 3, 10. In Malachi, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. He says, test me in this. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. And see if I will not open the floodgates of heaven for you. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul qui pouvait dire aux Colossiens. And the apostle Paul could say dans Colossiens 4, 3. Colossians 4, il disait aux églises, priez en même temps pour nous. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Alléluia. Colossians 4:3. He says, for in this the will of God, even for sanctification. 4:3, hein? Le 4:3. Prions en même temps pour nous, enfin. Il faut lire parce qu'il y a d'autres versets avant. Okay. So 4 verse 3. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving, with all praying. Also for us, that God would open unto us a door of utterance. Alléluia. Amen. 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 Donc, il ne faut pas oublier. So do not forget. Retenons. Let us remember. Contrôler une porte. Controlling a door. C'est la posséder. It's to possess it. C'est la prendre. It's to take hold of. C'est avoir en sa possession les clés pour l'ouvrir. The keys in your possession to open that door. Et je vous ai dit que les clés, c'est l'action. And I told you that key is an act. So soit a key, les prières, les jeûnes, either prayer, les fast, paroles de proclamation. The words of proclamation. Amen. Amen. Dans Apocalypse 1, verset 17 à 18, in Revelation 1, 17 to 18, il est dit, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Revelation 1, verse 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead.
And he laid his right hand upon me, saying, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Hallelujah. Amen. Apocalypse 3, verset 7. Revelation 3. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. So Revelation 3, verse 7. And to the angel of the church in Philadelphia write, These things saith he that is holy, that he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and no man openeth. Jésus a les clés. Jesus has the key. Et les clés de David. He has the key of en tant que descendant du roi David. As a descendant of the king pour David, ouvrir les portes. To open doors. Et en tant qu'enfant de Dieu, il te les donne. And you, as a child of God, tu as le pouvoir entre les mains. You have your power in your hands. Et tu dois ouvrir ces clés-là pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. And you have to take that key and open all the closed doors in your life. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. 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 Les différents jours de la semaine et leurs caractéristiques. The different days of the week and their characteristics. Amen. Amen. Je vous ai parlé un peu de la porte du vendredi. Je vais vous expliquer. I talked a little bit about the door of Friday. I'm gonna explain. La porte du vendredi contrôle tous les autres jours. The door of Friday open, controls all the other doors. C'est pourquoi dès le vendredi soir, That's why from Friday night, Dieu a ordonné que le Shabbat soit préparé. God ordered the Sabbath to be prepared. Amen. Il faut aussi prendre les portes du dimanche, car Jésus a ouvert les portes du vendredi quand le voile s'est déchiré dans le temple. And we also have to take the day of Sunday, the door of Sunday, because Jesus tore the veil in the temple on the Friday. Jésus est la porte de révélation pour les chrétiens. Jesus is the door of revelation for the Christian. Alléluia. Amen. Jésus a utilisé les deux grandes portes. Jesus used the two great doors. Vendredi et dimanche. Friday and Sunday. Et ces portes sont importantes pour la délivrance. And these doors are important for deliverance. Alléluia. Amen. Selon le calendrier juif, according to the Jewish calendar, Pharaon a ordonné for Pharaoh ordered le vendredi soir à Israël de sortir d'Égypte. The Israelites to leave on the Friday. Pour ceux qui se souviennent de l'histoire des enfants, de la sortie des enfants d'Israël for de l'Égypte. For those who remember how the children of Israel left Egypt. Mm-hmm. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Avant que les enfants d'Israël before the children of Israel ne quittent were able to leave le peuple d'Égypte, qu'est-ce que le Seigneur leur a demandé? What did the Lord ask the people of Egypt? Alléluia. Amen. Ils ont dépouillé they took off les Égyptiens. They plundered the Egyptians. Alléluia. Amen. La Bible dit the Bible says qu'ils sont allés chez leurs voisins. That they went to their ils neighbors. Ont eu des plateaux d'or. And they got ils, ont eu, ils ont amassé les richesses des yeah. Égyptiens. They gathered the wealth of the Egyptians. Yeah. Et c'est avec ces richesses-là. And it was with that wealth. C'est-à-dire that means tout ce que le peuple égyptien a volé à ce peuple pendant près de 400 ans. All that the Egyptians stole from those people over 400 en un seul jour. And one day, sur autorisation. Sur ordonnance de l'Esprit de Dieu, under the command of the tout cela a été restitué. Alléluia. C'est pourquoi la porte du vendredi, c'est la porte de la prospérité financière. Attends très fort, Jésus. C'est un message hautement spirituel. Alléluia. Ce sont les messages prophétiques. These are prophetic. Il faut être vraiment très attentionné pour comprendre. You have to concentrate. Il faut être dans l'esprit. Be in the spirit. Alléluia. Amen. 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 La porte de la richesse s'ouvre le vendredi. The door of love opens on a Friday. La porte de la gloire s'ouvre le dimanche. The door of glory opens on si tu veux entrer dans ta bénédiction, if you want to enter commence your spirit, par posséder ces portes. Start by possessing those doors. Amen. Amen. Si tu parles à la porte du vendredi, if you're speaking to the Friday door, il faut lui ordonner de transmettre ses ordres à tous les autres vendredis. Order that door to send the message to the other Fridays. Amen. Amen. Le dimanche, Sunday, c'est la porte de la consécration entre toi et ton Dieu. Is the door of consecration between you and your God. À l'origine, at the origins, les portes étaient prévues pour les enfants de Dieu. The doors were made for the children of God. Alléluia. Amen. Vous avez vu you see, le peuple d'Israël n'était même pas soumis that the people of Israel were not submitted aux autres dieux qui contrôlent les jours que nous voyons aujourd'hui. To the gods of the days that we see today. Mais que déjà, but already, à travers les fêtes que le Seigneur convoquait à chaque début de ces périodes, through the feast that the Lord had ordained, ces portes-là s'élevaient. Those doors were opened. Alléluia. Amen. Et les enfants d'Israël rentraient à travers les fêtes et les prières, la louange à Dieu.
Et les enfants d'Israël ne sortaient pas de la présence de Dieu sans que le sacrificateur ne prononce sur eux des bénédictions qui les suivaient pendant toutes ces périodes de l'année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je dis, ces portes étaient prévues pour les enfants de Dieu. Like I said, these doors were meant for. Mais Abraham a fait entrer Ismaël dans son héritage. But Abraham brought Ishmael into his inheritance. Quand tu fais rentrer un Ismaël dans ton dans ta vie, tu lui donnes ton héritage. And when you bring an Ishmael into your life, you give them your inheritance. Qu'est-ce que je veux dire par là? What do I mean by this? Quand tu rentres dans une porte, c'est du tien. When you enter into a spiritual door, tu dis au nom de Jésus. You say in the name of je Jesus. Je commande à la porte I order the de gloire que le dimanche de s'ouvrir. Of glory of Sunday. Cette porte qui est le début de la semaine. This door that is the beginning. Au nom de Jésus, je rentre par cette porte. Mon mari rentre par cette porte. Mes enfants rentrent par cette porte. Et je commande qu'aucun esprit familier, aucune puissance des ténèbres qui combat ma vie, ne puisse s'introduire par cette porte-là. Je ferme cette porte à ces esprits. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous sommes épiés nus des jours par des esprits familiers, générationnels, familiaux qui nous attaquent. Alléluia. Tu ne dois pas hériter avec tes ennemis. You should not have any inheritance with. Parce que s'ils rentrent dans ton héritage, ils vont te combattre. Because if he enters into your. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec, comment on appelle, les enfants d'Israël. So I'm going to explain what happened with the children of Israel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Quand les enfants, quand Abraham a accepté de mettre Ismaël. When Abraham accepted to bring dans son royaume, dans son héritage, qu'est-ce qui s'est passé? To bring Ishmael into his. Vous avez vu qu'il y a un peuple qui est né. You see that a people were. Et ce peuple adore un Dieu qui est fortement opposé à Israël. And these people worship a God that was strongly opposed. Alléluia. To Israel. Ce Dieu, c'est l'Islam. That God is Islam. Et son Dieu Allah. And their God Allah. Alléluia. Amen. C'est un Dieu. It is a God. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? And what did they do? Et ils ont mis la date de leur prière le vendredi. They set their date of prayer dès le jeudi. From Thursday. Nuit à minuit. Thursday night, midnight. Et ils rentrent par cette porte-là. They enter that door. Alléluia. Amen. L'Islam. Islam. Est une religion qui possède les portes des finances. Is a religion that possesses the door. Ils utilisent ce jour-là pour envoyer des puissances démoniaques contre les peuples de la terre actuellement. They use that power to send it against the people. Alléluia. Of the earth right. Je vais vous parler de cet esprit qui contrôle cette religion. I'm going to talk to you about the spirit that controls. Alléluia. Religion. Vous n'avez pas remarqué que les pays arabes sont riches? Don't you notice that the qui a le pétrole? Are rich? Who has ever noticed? Qui a pétrole? Who qui a l'argent? Alléluia. Amen. Ils sont riches. They are rich. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. But glory be. Parce to que nous les enfants du royaume de Jésus-Christ. Because we the children of the kingdom of Jesus. Nous rentrons Christ, par cette porte-là. We enter that door. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. In the name of il est la clé. He is the key. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils sont venus pour combattre le peuple d'Israël. So they came to qui était le peuple de Dieu. Israel, et pourquoi? Parce que Abraham a accepté de faire entrer Ismaël. Why? Because Abraham accepted to bring Ishmael into the world. Amen. Amen. Le vendredi, the Friday, c'est aussi la veille du septième jour. It's also the beginning of the seventh day. C'est le vendredi qui ouvre ses portes. It is the Friday that opens that door. La porte du vendredi doit s'ouvrir par la foi. The door, the Friday door has to be opened by faith. Alléluia. Amen. 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 Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. The first day of the week is Sunday. Amen. Amen. Je vais vous parler un peu de ce dimanche. I'm going to talk about Sunday. Je vous ai dit que ce jour est dédié au Dieu Soleil Amon-Ré. I told you that this day was dedicated to the Sun God. Amen. Amen. Je vous ai dit que tous les dimanches étaient placés sous l'autorité d'un Dieu. Mais il a fallu que les chrétiens tempêtent pour qu'ils enlèvent pour dire le jour du Seigneur. You know, I told you that the Sunday belonged to the Sun God, but the Christians had to rise up and reclaim it and say that. Le dimanche, nous devons demander à Christ de commencer la semaine avec nous. We have to ask the Lord Jesus to start out the week with us. Matthieu 8, verset 1. Matthew 8, verse 1. Nous devons demander à ce que l'église et notre maison commencions la semaine avec Christ. We have to ask that our church and our home start out the week with the Lord. Le premier jour de la semaine est le jour de la résurrection. The first day of the week is the day of resurrection. Et ce jour manifeste la puissance de Dieu. And this day manifests the power of God. Tout chrétien doit demander à Dieu
All Christians must ask God de manifester sa puissance de résurrection to manifest his power of resurrection dans tous les aspects de sa vie. In all aspects of their lives. Alléluia. Amen. Et demander à Dieu and de ressusciter tout ce qui semble mort. And ask God to resurrect anything that is dead in them. Amen. Amen. Tu as besoin de ressusciter certains aspects de ta vie. You need to resurrect certain areas of your pour life entrer dans les autres jours. In order to enter into the other demander days. Au Seigneur que la vie de Dieu nous soit rendue par son esprit de résurrection qui vit en nous. Ask the Lord that his spirit of resurrection fill us. Alléluia. Amen. Comme le dit Romains 8, 11. As it's written in Romans 8, chaque chrétien doit expérimenter la résurrection de Christ. Each Christian must experience the resurrection. Comme le dit aussi Philippiens 3, versets 10 à 11. Like it says in Philippians 3, verses 10 to 11. Amen. En donnant forme à la résurrection de Christ dans sa vie. In having the resurrection of Christ in their life. La résurrection produit l'effet contraire de ce que tu étais. The resurrection produces an effect opposite to what you were. Amen. Eh? Amen. Amen. Toute résurrection doit passer par le feu. All resurrections must go through the fire. Tu sais la signification du feu? Who knows the meaning of fire? Le Seigneur Jésus a dit quoi? What did the Lord Jesus il dit, je suis venu pour baptiser de Saint-Esprit et de feu. He said, I came to baptize you with all these spirits. Il a dit, je suis venu, j'étais un feu sur la terre. He said, I came as a fire. Et il me tarde que ce feu soit allumé. And as a light on the earth, and that light must be. Alléluia. Amen. Le feu. The fire. C'est la souffrance. Is suffering. Alléluia. Amen. Toute résurrection. All resurrection. Toute sanctification. All sanctification. Tout dépouillement de ta chair. All shedding of your flesh. Va passer par toutes sortes de souffrances et d'humiliations. Has to go through all types of humiliation. La preuve. Tu vas me dire, mais c'est facile. You'll tell me it's easy. Mais quand tu viens à l'église et puis on commence à parler d'un péché que tu pratiques, pourquoi ton visage devient serré? Why is it when you come to church and we talk against the sin that you're practicing, your face will change? Pourquoi tu respires comme si tu avais couru? Why are you breathing heavy? Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est le feu. It is the fire. La parole de Dieu est comparée à un feu. The word of God is compared to a fire. Ça brûle des fois. Sometimes it mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons la parole miel. But we want the honey word. We la parole n'est pas seulement miel. The word is not just honey. Elle est marteau aussi. It is also a hammer. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est pour vous dire so it's to tell you que toute résurrection va passer par le feu. All resurrection must pass through le feu the fire. De l'humiliation qui précède l'esprit de repentance. The fire of humiliation that comes before a spirit of repentance. Pourquoi tu vas te sentir humilié? Why do you feel parce que l'Esprit de Dieu va te dire qui tu es. Because the spirit of God reveals parce que nous les hommes, nous ne voulons pas qu'on nous dise qui nous sommes. Nous voulons qu'on dise tous que nous sommes des bonnes personnes. We don't want to be told that we're good people. We don't want to be told who we truly are. Alléluia. Amen. Et quand tu vas passer par là, and when you go tu vas that, te sentir sérieusement humilié. You will feel seriously humiliated. Amen. Amen. Et cette humiliation va produire la repentance. And that humiliation will produce repentance. Ça c'est le feu. That is the si fire. Tu ne meurs pas. If you ta chair ne meurt pas. If the flesh does not die, le désir de la chair ne meurt pas en toi. And if the desires of the flesh do not c'est die, que tu es encore dans la tombe. Know that you're still in the grave. Car le désir de la chair doit mourir en toi. Because the desires of the flesh must le, die. La résurrection se passe le premier jour de la semaine. The resurrection happens on the first day of the week. Le premier jour de la semaine doit avoir un impact, un effet sur ta vie. The first day of the week must have an effect tu dois on dire you have to say, que la puissance de résurrection descende dans ma vie. Let the power of resurrection fall on que my ce feu descende dans ma vie. Let the fire fall pour my consumer to consume tout péché dans ma vie. All sin in my life. Il faut que je ressuscite I have to resurrect pour que mes agissements soient contraires aux autres. So that my work can be opposite to the others. Alléluia. Amen. Par manque de résurrection, a lack of resurrection. Il n'y a aucune règle dans notre vie. Produces lack of law, en tant que chrétien, no laws in our life. Il doit y avoir des principes dans ta vie. As a Christian, you must live dans by ta maison laws in your home, et dans ton église. And in your church. La rigueur vient de Dieu. Rigor, perseverance comes from God. Alléluia. Amen. 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 Il est dit it is que même le soleil, que c'est ce qu'on appelle, c'est Romain Adorès, le soleil loue l'éternel. It even says, may the sun worship the God. That's worship God. That's the sun God that the Romans worship. Le soleil loue l'éternel en ce jour avec les cieux. The sun worships the Lord on that day with il the raconte la gloire de Dieu. They talk about the, amen, the glory of God. Dans le psaume 148, verset 3. In Psalm 148, verse 3. Il est dit, louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Alléluia. Amen. So donc, Psalm 148. Le Dieu verse 3, it says, des Romains. Tu contrôles ce jour-là. Dans la Bible, pour nous, est une créature qui, elle-même aussi,
adore Dieu. So in Psalm 148, verse 3, it says, Amen. Praise him, sun and moon. Praise him, all you stars of light. So all the gods that the Romans worship, the sun, the moon, these are the things that worship God. Alléluia. Yeah. Le soleil marque les saisons. The sun marks the seasons. Les jours de nos vies et la vie de l'église en respectant le schéma de Dieu. The days of the week and the seasons of the church. Quel est le principe de loi que tu appliques chez toi? What is the principles of the law that you apply to yourself? Alléluia. Amen. En tant que chrétien, as a Christian, tu dois prier pour combattre ceux qui tirent du soleil leur force pour faire le mal. Amen. You have to fight against those who draw their demonic power from the sun. En tant que chrétien, as a Christian, nous devons prier pour que le soleil agisse selon le plan de l'Éternel et qu'il annonce le salut. We have to pray that the sun will behave according to God's plan and Alléluia. Will teach salvation. Amen. 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 Il y a des hommes méchants wicked men qui sont sur cette terre-là, who are on this earth, qui tirent leur pouvoir du soleil. Who draw their power from the sun. Tu vas me dire, mais ça là, ils sont dans le monde. And you ask me, are they, do they live in the Il y en a plein dans ton église, laisse-moi je vais te dire ça. There's many in your church, let me tell you. Alléluia. Amen. Tous les francs-maçons, les rosicruciens qui ont abandonné toutes ces choses, qui sont venus au Seigneur et qu'on n'a pas fait leur délivrance. All the Rosicrucians and all the Freemasons have come to the Lord but did not for do their deliverance. Toutes ces personnes qui étaient dans le monde qui étaient attaquées par les démons. Or all people in the world who were being attacked by qui étaient des idolâtres. There were idolaters qui sont venus dans le Seigneur. That they've come to the Lord. Qui ne veulent pas se convertir, qui sont assis dans l'église. That do not want to be converted. They're sitting Alléluia. In the church. Il y en a qui te combattent et qui combattent ton ministère. There are those who are fighting against you and fighting against Alléluia. The ministry. Parce qu'il y en a aussi qui tirent leur pouvoir de ces dieux, de ce dieu, du soleil. There are those who draw their power from the sun. Dans le soleil, il y a des démons. There are demons in the sun. La Bible dit the Bible que says le diable that the devil est le prince de la puissance de l'air. He is the prince of the power of the air. Amen. Quand les démons ont été précipités du ciel, et puis le diable. The demons and the demons. La Bible dit the demons and the qu'il y a des démons qui sont allés s'installer dans le soleil. The Bible, it says that there are demons that lived in the sun. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont allés s'installer dans la lune. There are those who took up residence. Donc il y a des hommes méchants. So there are wicked men. Aujourd'hui j'étais étonné quand je me suis levé. I was amazed when I woke up this morning. Ça a fait bientôt 5 ans que j'habite dans mon quartier. It's going to be 5 years now that I'm living where I live. Mon voisin m'a étonné. My neighbor amazed me. Il a un arbre. He has a tree. Qu'il a planté. Cet arbre est né. Il n'a jamais grandi. This tree is stunted. It's never grown. C'est un arbre. It is a stunted tree. Et j'ai remarqué que pendant les fêtes de Noël, il avait l'habitude de décorer ces arbres, cet arbre-là, avec des lumières. During Christmas time, he will decorate that tree with lights. Je me suis réveillé ce matin. And I woke up this morning. Vous savez ce que j'ai vu sur cet arbre? You know what I saw on that tree? Un crâne de mort. A skull. Des bras coupés. Cut off hands. En tout cas, les choses de l'Halloween. You know these Halloween decorations. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu sais qui est à côté de toi? Do you know who lives beside you? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons prier. So we have to pray. Pour détruire ceux qui pratiquent ces œuvres-là. To destroy those who practice. Et briser l'emprise de ce démon-là sur ce jour. And break the hold of that demon on that day. Deuxième jour de la semaine. Second day. Les caractéristiques de ce deuxième jour sont qui est le lundi. The characteristic of the second day, which is Monday. Il est dédié à la divinité dans la mythologie grecque qui est la lune. It is dedicated to the god of the Greek mythology, which is the moon. Il s'appelle Astémis, divinité de la chasteté et de l'appropriation. It is the god of Astaroth, the god of procreation. Amen. Amen. Cette divinité est liée à la reine du ciel ainsi que à Jézabel et à d'autres reines. This god is linked to the god of heaven and to Jezebel. Alléluia. Amen. Amen. Caractère du lundi. The characteristic of Monday. Il est appelé à influencer les menstruations chez les femmes. It is called to influence the woman's menstrual period. Derrière toute stérilité, il y a un démon lunaire. There's always a lunar demon behind all barrenness. Alléluia. Amen. 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 Donc qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfant de Dieu? So what should we do as a child? Nous devons combattre contre la reine du ciel. We have to La Bible même nous parle de la reine du ciel. The Bible talks about the goddess of heaven. Il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'il y a une femme qui a reçu une révélation. Someone came and told me there was a woman that got a revelation. Qu'elle dit. And that she said. Qu'un jour. That one day. Quand Jésus va venir, on sera étonné de voir une femme à la place de Jésus. That when dans Jesus le ciel. Come, we will be amazed to see a woman instead of Jesus in heaven. Il y a une reine qui est dans le ciel, on l'appelle la reine du ciel. There is c'est un démon de l'air. That we call a queen of heaven. Elle s'appelle Marie Magouet. She's called Mary Magouet.
Alléluia. Amen. Ah, c'est Marie Magwe. That is Mary Magwe. Amen. Amen. La reine du ciel, tout le monde l'adore. The queen of heaven, everybody worships. Plus proche de nous, il y a une église qui l'adore beaucoup. There's a church. On dit qu'elle est la mère de Dieu. They said they call her mother of God. On ne dit pas qu'elle est la mère de Jésus, on dit qu'elle est la mère de Dieu. They don't call her the mother of Jesus, they call her the Alléluia. Mother of God. Amen. Amen, hein? Amen. Donc tu dois te lever contre cette mère de Dieu, des minuscules. So you have to rise up against this mother of God. Pour la tailler en pièces. Alléluia. Amen. Pour détruire ses influences. To destroy her influence. Sur ta vie. In your life. Et détruire aussi. And also to le pouvoir de tous ceux qui tirent leur pouvoir de la lune. The power of those who draw their power from the moon. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui aiment adorer la lune? Don't même à notre époque. Don't you see that even today? Aujourd'hui c'est à la mode. It's in fashion today. What is Alléluia. It? Amen. Quand tu parles de Jésus, when you talk about Jesus, tu es regardé comme si tu viens du temps de Mathusalem. They look at you as though you came from the days of Methuselah. Mais il faut commencer à adorer Gaïa, notre mère, la terre. Et tu seras vu comme une personne très civilisée. But if you worship Gaïa, Mother Earth, then you'll be civilized in their eyes. Alléluia. Amen. Et tu dois adorer Moloch. You have to worship Molech. Amen. Amen. Et on va te dire oui. Parce que Moloch, il est là pour tuer les enfants. Et sodomiser les enfants. Et c'est ce Dieu-là que tout le monde adore aujourd'hui pour avoir le pouvoir. And this God Molech is the God that sodomizes and kills children, and that is the God that people worship today to get power. Alléluia. Amen. 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 Donc Job 38 verset 14 15 nous dit. So Job 38 verses 14 and 15. Nous devons remodeler la terre et tout ce qu'elle enferme de sorte qu'elle revienne dans les plans de Dieu. C'est Carole Folie. C'est pas okay. Il faut dire. C'est à nous de parler au sol par le pouvoir de Christ pour que nous, de Christ que nous avons reçu, remodelons la terre. Alléluia. Amen. Amen. So it's Job 30, verses 11 and 38. Job 38. 15, 14, 15. 14 and 15. It turned as clay to the seal and they stand as a garment, and from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken. Alléluia. Amen. Amen. Troisième jour. The third day, mardi, Wednesday, il est dédié à la divinité. Tuesday, excuse me. Ce jour est dédié à la divinité de Tyr et de Tus, qui sont dans la mythologie le dieu de la guerre. So this day is dedicated to Tyr and Titus, the gods of war. Alléluia. Amen. Ce qui correspond également à la planète Mars. Corresponding to the planet Mars. Ésaïe 54 verset 15, 17 dit. Isaiah 54 verse 10 says, amen. Amen. Que tout complot contre nous ne vienne pas de Dieu. Que tout arme forgée contre nous soit sans effet. Amen. Alléluia. That no weapon forged against us shall prosper. Alléluia. Amen. Demandons au Seigneur de briser toute arme forgée contre nous. Ask the Lord to break all weapons formed against us. C'est-à-dire notre église. That means our notre church, maison. Our home. Notre famille. Our families. Jadis, les rois et les seigneurs de guerre choisissaient ce jour pour les grandes batailles. Jadis, the God of war, chooses that day to make war. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi nous pouvons constater que la reprise se fait plutôt le mardi. That's why we notice that we have a lot of arguments on the Tuesdays. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué que très souvent, le début de la semaine, le lundi, c'est difficile pour les gens. You notice that Mondays are always difficult for people. Et même quand tu appelles certaines sociétés pour avoir certains dossiers, tu n'arrives pas à les voir, c'est pas mardi. You know, certain companies, you call them, you want information and you can't get it on a Monday. Donc comme cette entité, ce jour était placé sous l'entité d'un dieu de guerre, tous les rois d'avant, qui n'étaient pas des rois d'Israël, les peuples païens, là, pour faire leur guerre, ils plaçaient le mardi comme jour de guerre. So because this day is for the gods of war, usually when they wanted to, the people, the nations wanted to fight against Israel, they would use that day as their day of war. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, so, nous devons nous appuyer sur Exode 14, verset 5 à 31. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Exode 14, verset 5 à 31. So, we as children of God need to rely on Exodus, verset 14. Esaïe 40, verset 23. Isaiah 40, verse 23. Psaume 68, verset 2. Psalm 68, verse 2. Alléluia. Amen. Proclamons donc tous les mardis que tous les hauts lieux disparaissent devant nous, devant notre maison. We have to proclaim every Tuesday that all the high places will disappear from before us and from before our home. Que le souffle de Dieu recouvre toute eau, tout pharaon dans notre vie. That the breath of God will cover all waters dans nos églises, in our lives, in our churches. Prions Dieu. We pray to God de s'élever to rise et up que nos ennemis se dispersent. So that our enemies may be scattered.
Alléluia. Amen. Nous devons donc prier we must pray pour renouveler nos forces et nous entraîner au combat. To renew our strength and to train ourselves up to war. Afin que Dieu fasse de nous son cheval de bataille. So that God can make fighting horses out of us. On peut s'appuyer sur le psaume 144, verset 1. That's in Psalm 44, verse 1. Et sur Jérémie 50, verset 25 à 26. Jeremiah 50, verses 50. Oui, Jérémie 50, 25, 26. Jeremiah 50, verses 25. Jérémie 51, verset 20 à 25. Jeremiah 51, verses 20. Et demander à Dieu de nous faire revenir en victoire. And ask God to bring us back to victory. Le mardi. Tuesday. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, as children of God, comme c'est un jour de guerre, because it's a day of war, demander à notre Seigneur Jésus-Christ, we have to ask our Lord Jesus Christ, alléluia, amen, de nous donner to give us les armes de guerre qui se trouvent dans son arsenal de guerre. The weapons found in his war arsenal. Comme dans Job 5, verset 13. As in Job 5, verse 13. Alléluia. Amen. Nous devons utiliser ces armes-là pour combattre contre nos ennemis. To fight our enemies. Alléluia. Amen. Et nous devons demander à Dieu d'anéantir les projets des hommes rusés. And we have to ask the Lord to destroy the plans of scheming men. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc ce jour-là, so that day, c'est un jour où le diable, cette entité spirituelle qui est placée sur ce jour, is the day that the spiritual entity that dominates that day. Qui c'est un esprit de trouble. It is a spirit of trouble. Alléluia. Amen. Amen. Qui peut créer beaucoup de souffrance. That can create a lot of suffering. Alléluia. Amen. Alléluia. Le mardi est dédié aux esprits et aux démons. Tuesday is dedicated to spirits and to demons. Sur ce verset, nous devons demander à Dieu de combattre nous-mêmes. We can stand on that verse and ask God to fight for us. Nous devons demander à Dieu de combattre pour nous ou combattre nous-mêmes, tout agent du diable posté pour nous surveiller. We can ask the Lord to fight on our behalf against all those devils, all the devil's agents. Alléluia. That are sent to watch over us. Il y a des chrétiens qui croient qu'ils n'ont pas d'esprit qui les attaque. There are Christians that don't believe. Qui croit qu'il n'est pas attaqué? Who thinks that they're not? Parce qu'on lui a dit que le sang de Jésus le couvre. Because they were told that the blood of Jesus covers them. Alléluia. Laisse-moi te dire que les esprits familiers t'attaquent. Let me tell you that familiar spirits. Esprit familier, tu sais ce que c'est? Do you know ce sont les démons are? Qui tiennent ta famille. These are demons that hold. Et les hommes forts et les femmes fortes. Strong men, strong women. Qui ont accès à toi à cause des liens de sang. Who have access to you because of blood ties. Alléluia. Amen. Le quatrième jour. The fourth day. Le quatrième jour de la semaine. The fourth day of the week. C'est le mercredi. It's Wednesday. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour est dédié au Dieu voûtant. Voudin voûtant. This day is dedicated to the God who gave it. Il est considéré comme le créateur de l'univers. He is considered to be the creator of the universe. Amen. Amen. Et ce jour-là aussi est dédié au Dieu Mercure. This day is dedicated to the God Mercury. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, that's why, tu vas dire à ce voudin voûtant qu'il est menteur. You can tell this God voudin voûtant, he is a liar. Amen. Amen. Tu vas demander. You will ask. Et tu vas, par ton autorité, ramener and by your authority, toute you will, pensée, you will render toute all volonté, all will. Alléluia, amen. Tout esprit, all spirits, toute âme, all soul, tout cœur, all heart, captif à l'obéissance au Saint-Esprit. To the obedience of alléluia, amen. Tu dois briser you have to break la puissance, the power, alléluia, amen. De cet esprit-là, sur toi-même, laisse tous les compartiments de ton être and all et sur ta vie. Of your being and all parts of your alléluia. Life. Amen. Comme dans Psaume 22, verset 28, Psalm 22, nous devons 28. Prier pour que le royaume de Dieu prenne le contrôle dans l'église, so that the kingdom of God can take control in the church, dans notre vie, and in our lives. Alléluia. Amen. 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 Le cinquième jour de la semaine, the fifth day of the week, c'est jeudi. Thursday. Ce jour est dédié à Jupiter. This day is dedicated to Jupiter. Dieu de la foudre et Dieu du ciel et de la terre. The God of lightning, the God of heaven and earth. Alléluia. Amen. Les vaudous chez nous là, les vaudous de les gens qui pratiquent le vaudou Dahomey. Those who practice Buddha, that's called Dahomey. Les Béninois. The people from Benin. En tout cas, faut pas t'amuser avec leur foudre. Don't play around with their lightning. Alléluia. Amen. Donc je crois que leur Dieu là, ça doit être là. Alléluia. Amen. Parce que lui, quand il veut t'envoyer là. When he wants to just c'est la foudre. Et puis, s'ils sont fâchés contre toi, vous savez ce qu'ils font? You know what he does? Ils n'aiment pas les mariages. He doesn't like marriage. Amen. Amen. Il paraît qu'au Bénin, but in Bénin, si tu fais ton mariage, if you want to have a wedding, ils aiment fatiguer les gens. They like to bother people. Il va venir, il va te dire, il faut me donner ça. And tell you you gotta give me si tu n'as pas donné, là, and if you don't give it, le déluge de Noé, petit, pour ton mariage. You know that you will have a monsoon on your wedding. Il faut envoyer la pluie.
La foudre, tout sort des tonnerres. Lightning, et puis si c'est à l'église, là, c'est seulement à l'église qu'il va pleuvoir. And if it's only, if it's a church, et puis it's dans only tous les autres quartiers dans Wensing, là, c'est sec comme ça, un bon soleil. And everywhere else in the hunting, comment ça se fait que c'est là, là, seulement il pleut? How is it that it'll only rain over your church? Alléluia. Amen, hein? Amen. 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 Donc, pour que tu aies une vie tranquille ce jour-là, so for you to have a peaceful il faut que life tu t'élèves sur, you contre l'entité spirituelle démoniaque qui a pris contrôle de ce jour. Against the spiritual demonic entities that have taken Alléluia. Control of that day. Le sixième jour de la semaine, sixth day of the c'est week, vendredi. It's Friday. Vénus est la déesse de l'amour. Venus is the goddess of love. Et ce jour-là est placé sous son autorité. And that day is under her authority. C'est la déesse de la séduction. She is the goddess of seduction. Et de la beauté. And beauty. Amen. Amen. Donc l'esprit, so the spirit, vous allez voir que c'est à partir du vendredi. Là. You'll see that it's as of Friday. Allez-y. Toujours quand tu vas en boîte de nuit, c'est vide lundi, mardi, you can go to the club Monday to Thursday. Mais vendredi, but Friday, on se met à rang devant la porte. They're standing in line outside the door. Monday to Thursday, it's empty. Alléluia. Amen. L'esprit agissant derrière tous les péchés de perversion sexuelle. The spirit working behind the sin, all sexual perversion sins. C'est la déesse Vénus. It's the goddess Venus. Alléluia. Amen. Elle travaille en collaboration avec la reine du ciel. She works with the queen of heaven. Marie de l'église catholique. The Mary of the Catholic Church. Et Dieu de l'islam, esprit sanguinaire. And that bloody spirit of Islam. Et violent entité agissant contre l'église. It's violent that's working against the church. Alléluia. Amen. La porte du vendredi est contrôlée par Vénus. The door of Friday is controlled by Venus. Dieu grec de la guerre qui verse le sang. The Greek god that sheds blood. Est très versé dans l'impudicité. And is very well. La fornication. Yeah, knows fornication. L'adultère. Sin, adultery. D'où la polygamie des musulmans. And the polygamy that's practiced by Muslims. Tu comprends maintenant? Do you understand? Amen. Alléluia. Amen. Prions pour entrer par cette porte. Let us pray to enter that door. Des richesses au Seigneur et demandons au Seigneur de déverser sur nous la puissance de prospérité divine. The door of wealth of the Lord and ask the Lord to pour out on us the anointing. Spirituel, matériel. Of spiritual wealth, financial, all the wealth. Le septième jour de la semaine. The seventh day of the week. Alléluia. Les gens l'appellent Sabbati. It is called Sabbati, qui signifie jour de Shabbat. Which means the day of the Sabbath. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Tu dois prier. You have to pray. Pour que le Seigneur, for the Lord, ouvre la porte de repos. Opens the door of rest. Alléluia. Amen. Ouvre la porte de bénédiction divine. Opens the door of divine blessing. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses profiter, so that you may benefit, de toutes ces bénédictions. Of all these blessings. Amen. Amen. Prions pour que cette porte s'ouvre. Let us pray for that door to open. Afin que nous recevons toutes les bénédictions divines et repos dans tous les domaines. So that we can receive divine blessings and rest in all areas. Alléluia. Amen. 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 Donc, je t'ai parlé des portes spirituelles. So I talked to you about the spiritual doors. Que sont le jour? That belong to each Alléluia. Day. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose, enfant de Dieu? Did you understand? Amen. 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 Voilà. En tant que chrétien, tous les jours de notre vie, each day of our life, nous devons nous réveiller we have to wake up avant l'aurore. Before nous devons the pratiquer sunset. La veille de nuit comme faisait notre Dieu. We have to wake up before sunrise like the, la Bible dit like que Jésus partait sur la montagne. The Bible says that Jesus went to the mountain et il restait là-bas. And stayed there. Et il descendait qu'à l'aurore. And he came with down when aujourd'hui, quand tu demandes aux chrétiens de prier, when you ask Christians today to pray, parce que son pasteur lui a dit, Jésus a tout accompli. Because his pastor said, Jesus said, it is finished. Tu n'as plus besoin de prier. You don't need to pray parce que anymore. Jésus a prié pour toi. Because Jesus has prayed for quand you. Tu dis aux chrétiens jeûne, when you tell Christians, il dit, that, Jésus a jeûné 40 jours. They said, Jesus fasted for 40 donc, days. Moi, je jeûne plus. So I don't have to. Amen. Amen. Où c'est écrit? Where is that la Bible dit the Bible says que les apôtres the apostles jeûnaient deux fois par semaine, deux jours. Fasted two days a week. Quand Jésus jeûnait là, qui a vu Jésus? When Jesus was fasting, c'est les apôtres. Wasn't it the apostles? Et la Bible dit qu'ils faisaient les veilles de nuit. Ils jeûnaient et ils priaient. That they fast, they pray all night, they fasted. Et ils veillaient les nuits they prayed pour all chercher night la puissance de Dieu. To seek the power of God. L'église the church, primitive the first était une église en feu. Was a church on fire.
Alléluia. Et toutes ces puissances des ténèbres ne pouvaient pas avoir accès à eux. And the power of darkness had no access. Ces puissances qui président ces jours. These powers that were Alléluia. Et nous les chrétiens d'aujourd'hui. We Christians of today. D'abord même tu te réveilles, tu ne pries pas. First of all, you wake Donc quand tu t'en vas, demande des gueules sur ta tête comme ça. So when you get under your bed, the demon of Quand tu vois ton mari et puis ta femme là, ton cœur a battu, il dit femme me trompe. You know, the husband and the wife are saying to each other, saying, you know, you Madi là. You better de par la scène de guerre de Jésus pour détruire même quand on voit même la même qui reste là. You know, you see the husband and the wife, they look at each other and they're just Alléluia. Hard because they're already. Maintenant le dimanche, elle va venir à l'église, va dire les remplis du Saint Esprit. And then they want to come and trip to church on Sunday and say that they're Alléluia. Full of the Holy Spirit. On doit faire attention. Let us be careful. Nous devons demander au Seigneur have to ask chaque Lord, jour each day, de nous remplir de son Esprit. To fill us with His Spirit. Alléluia. Nous devons ouvrir les portes We have to open the de chaque jour day, avant que le diable ne vienne prendre possession. Before the devil comes to take possession. Alléluia. Amen. À partir de minuit, As of si midnight, tu pries, if you're praying, ce n'est pas rien. It's not for nothing. Alléluia. Amen. Les portes des saisons. The doors of the seasons. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui connaissent l'équinoxe ou bien solstice d'hiver que les gens aiment beaucoup pratiquer ici. Who knows that the equinox that people Il y a un coin qui se trouve en Angleterre. There's a place that is found in England. Comment on appelle? Il y a des pierres qu'on appelle Stonehenge. Bien quoi, je sais pas. The what? Stonehenge. The Stone Age. Amen. Amen. Aujourd'hui là, Today, je vous dis, I'm telling you, à sale solstice de printemps, d'hiver, je ne sais pas, équinoxe ou quoi, c'est les gens, une multitude de personnes se déversent dans ces lieux. You know, each season, each winter, or winter solstice, you'll find a pilgrimage of people going to that Pour aller adorer les dieux démoniaques qui contrôlent ces saisons. To worship the demonic God that controls that Pour qu'ils puissent rentrer so that they may enter dans ces saisons là. Into that season. Amen. Amen. Et avoir les bénédictions. To have blessings. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, nous sommes dans quelle saison? What season are we in now? On va fêter la fête de qui bientôt? What celebration are we going to celebrate soon? Halloween, c'est la fête de qui? Halloween, who's? What's c'est l'anniversaire de Satan. Halloween is what? The celebration of the birthday. Dans le monde diabolique là. In the demonic world. Donc depuis le premier, comment on appelle, solstice du printemps. From the first Solstice of Les gens ont déjà préparé cette fête-là. People are already prepared Est-ce que toi, en tant que chrétien, But you, as a Christian, dans la nuit du 20 au 21 septembre, tu t'es levé pour faire tes proclamations sur ta vie? Did you wake up from September 20th to 21st in the night? Did you wake up to proclaim over your life? Le peuple de Dieu. The people Pourtant, le Seigneur a demandé à Israël Yet the Lord asked the people de se réunir à chaque saison, début de saison. The beginning of each season. Pourquoi? Why? Parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans ces saisons-là avec la victoire. Because they had to enter each season with victory. Alléluia. Amen. Donc je vais prendre Ésaïe 47 verset 13. So Isaiah 47 verse 13, excuse me. Il a dit tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il s'élève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Isaiah 47 verse 13, thou art wearied in the multitude of thy counsels. Let now the astrologers, the stargazers, the monthly prognosticators stand up and save thee from those things that shall come upon thee. Alléluia. Amen. Il est dit dans Job 5 verset 12 à 15, j'avais donné, j'avais pas lu, mais je vais le lire maintenant. In Job 5 verses 5 to 12, it is written. Il anéantit les projets des hommes rusés et les mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes astucieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Job, tu n'as pas vu Job 5 verset 12 à 15. Excuse me, Job 5 verses 12 to 15. He disappointed the devices of the crafty so that their hands cannot perform their enterprise. He taketh the wise in their own craftiness and the counsel of the forward is carried headlong. They meet with darkness in the daytime and grow in the noonday as in the night. But he saveth the poor from the sword, from their mouth, and from the hand of the mighty. Alléluia. On distingue quatre portes qui évoquent les saisons de l'année. We distinguish four doors that distinguish the four seasons of the year. Deux portes qui sont des équinoxes. Two doors which are the equinoxes. Et deux portes qu'on appelle solstices. And two doors which we call the solstices. Les équinoxes.
The equinox. C'est l'époque de l'année où les jours sont égaux. Are the doors nus. Where the days are equal. Alléluia. Amen. Les équinoxes. The equinox. C'est l'époque de l'année où les jours sont égaux ou nus. Where it's a door where the night and the day are equal. Alléluia. Amen. Il y a l'équinoxe du printemps. There's the equinox of spring. Et l'équinoxe d'automne. And the equinox of fall. Alléluia. Amen. Les solstices. The solstice. Époque où le soleil est le plus loin de l'équateur. That is when the sun is the furthest from the equator. On en distingue deux, solstice d'été, solstice d'hiver. We distinguish them, the solstice of the summer and the solstice of winter. Alléluia. Quand les gens vont se réunir. When people get together. Pour invoquer. To call upon. Les mystiques. A mystic. Pour invoquer ces dieux. To call upon their God. Au début de ces saisons, qu'est-ce qui se passe? In the beginning of their season. Les caractéristiques des quatre portes. The characteristics of the four doors. L'équinoxe du printemps. The equinox of spring. Vous avez vu que au début du printemps. You see that in the beginning of spring. Les gens déjà ont commencé à vouloir fêter la fête du diable. People already want to start preparing for the celebration of the devil. Oui, on a, à l'automne. They start preparing for Halloween. Alléluia. Amen. Il débute entre le 20 et le 20e mars. It starts between the 20th and the 21st of March. Et prend fin le 20 ou le 21 juin de l'année en cours. And it also starts the June the 20th to 21st. C'est le début de l'année et de la vie. This is the beginning of the year and of life. Ce qui se voit dans les floraisons. Les floraisons, c'est qui fleurit. We see that in the budding. Les nouvelles feuilles qui apparaissent sur les plantes. New plants are blooming. C'est la jeunesse. And it represents youth. C'est la période au cours de laquelle les mystiques. It is a period of time when les sorciers, witches, les agents de Satan, the agents of renouvellent Satan, leur force. Renew their strength. Et placent l'année sous la puissance du mal. And place the year under the power of evil. Alléluia. Amen. 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 Conséquences. Here are the consequences. Quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? What do we notice when they do these things? On constate qu'il y a beaucoup de terrorisme. We see that there's a lot of terrorism. De guerre. War. D'épidémie, de famine. Epidemics, famine. De dépravation. Deprivation. Échec et mystère. Failure and mystery. Alléluia. Amen. Les solstices d'été. The winter solstice. The summer solstice. Est-ce que quelqu'un a connaissance de ces choses-là? Does anyone know about Est-ce que vous savez que ce sont des choses qui se pratiquent véritablement? Do you know that these are practices that are Quand vous real? Voyez les gens qui célèbrent les solstices ou bien les équinoxes, When people talk qui n'a jamais entendu parler de ça? Who has never heard of it? Amen. Les gens pratiquent ces choses-là ici. People practice these Parce qu'ici, les saisons sont très marquées au Canada. Because the seasons are very defined here in Canada. Alléluia. Amen. 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 Tu connais les Wicca? Who knows Wicca? Amen. Amen. Ce sont les sorciers, c'est une religion. It's a religion. Elles adorent le diable. They worship the devil. Elles sont aux États-Unis. They exist in the States. Tu connais l'église des satanistes? Who knows the church of Satan? Amen. Amen. Ils sont aux États-Unis. They exist tu crois in the que ça n'existe pas? Who thought that it didn't exist? Amen. Amen. À votre avis, quand ils se réunissent, ils vont adorer qui? So when they get together, what do you think who do you think they're worshiping? Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est une église qui existe aux États-Unis qui a les mêmes droits que nous aujourd'hui nous sommes réunis? Do you know that it's a church that exists in the States that has the same rights that we do today? The way we're gathered here. Vous savez qu'il y a une ville aux États-Unis qui est dédiée à Satan? Do you know that there's a city in the States that's dedicated to Satan? Alléluia. Amen. 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 Et que des touristes, même des chrétiens, ça hasarde d'aller là-bas quand ils sont morts, ils reviennent, ils sont morts spirituellement. You know, there are people that go there, tourists to look at it, even Christians that go Amen, there eh? And come back. Alléluia. Le solstice d'été. The summer solstice. Il commence entre le 21 et 22 juin pour prendre fin le 22 ou 23 septembre. It starts the 21st to the 22nd of June and de l'année en cours. The September 20th to 2021. C'est la saison chaude de l'année. It is the hottest time of the le year. Le soleil se lève le plus tôt et se couche tard. The sun rises early and sets late. C'est le jour le plus long de l'année. It is the longest day of the year. Le soleil est célébré pour tirer toute la puissance de feu. The sun is celebrated to draw all the power of fire from it. Alléluia. Amen. 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 Et les mystiques. And the mystics. Tirent leur pouvoir de ce feu. Draw their power from Et qu'est-ce qui se passe? And what happens? C'est la propagation de la fausse lumière, c'est-à-dire la fausse religion. It is a proclamation of a false light, a false religion. Les mystiques peuvent commander les incendies. Mystics can command fires. Vous avez vu les feux de brousse là? Didn't you see those bushfires? On ne sait même pas où les feux quittent. We don't know where these Ça peut brûler start. Des hectares et des hectares de forêt. It will burn acres and acres et des fois même ça brûle complètement des quartiers.
Les gens perdent tout en une seule journée. People can lose everything in one day. Tu vas me dire que oui, c'est quelqu'un qui allait se promener, qui a fumé et puis l'a jeté ça. You tell me it's a smoker that threw the cigarette butt over there. How do you know? Alléluia. Amen. 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 Vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce? Did you see what happened? Une année. One year. Il y a eu même les choses même qui étaient classées pour comment on appelle ceux qui les patrimoines pour l'UNESCO qui ont été complètement consumés. You know, even UNESCO, there was a building that was completely destroyed. Les canicules. La sécheresse climatique. So this characteristic is famine. Il y a les comment on appelle la sécheresse financière. There's financial famine. Il y a les récessions. Recession. Les maladies. Sickness. Les dépérissements. Les interruptions de grossesse. And miscarriages. Alléluia. Amen. 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 Vous avez vu la propagation des fausses religions aujourd'hui. You see how false religion is spread out today. Amen. 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 Et il y a aussi des maladies de dépérissement. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Today, what do we have? These epidemics. Hein? Il y a une maladie qui est à la mode aujourd'hui. There's a sickness in fashion today. Hein? C'est Ebola. It's Ebola. Quand tu fais la diarrhée, là, tu grossis. When you have diarrhea, do you grow? Alléluia. On ne sait même pas où la maladie l'est quittée. We don't know where this disease came from. Son seul médicament, c'est la mort. Its only medication is death. Alléluia. Amen. Donc, vous allez me dire, ah, c'est normal, on est parti manger les chauves-souris. En Afrique. You'll say, oh, it's normal because they ate dirty stuff in Africa. Moi, je ne connais pas chauve-souris. Je l'appelle Batman. Oh, they ate bats. Excuse me. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous devons faire très attention. So we have to be very careful. Vous allez voir. You'll see. Que ce sont des choses qui arrivent pendant les saisons très propices. That these things happen. Les gens s'en vont invoquer ces dieux-là. People go and call. C'est très caché. It is very. C'est très mystique. It is very mystical. Alléluia. Amen. Les gens ne comprennent pas. People don't understand. Les gens sont troublés. People are troubled. Mais en tant qu'enfant de Dieu, but as a child, nous ne devons pas être étonnés de ces choses. We should not be amazed with these. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que notre monde est régi sur le plan spirituel. That our world is ordered nous, by nous les chrétiens là, we Christians, le Seigneur Jésus nous a dit the Lord Jesus que le monde entier est sous la domination du diable. Under the dominion of the devil. Amen. Amen. Que ce monde est rempli de ténèbres. Ce monde est ténébreux. This world is dark. It's filled with darkness. Mais nous ne voulons pas croire en Dieu. But we don't want to believe. Nous voulons regarder le visage des gens pour dire à lui l'entrée qu'il n'est pas sorcier. You know, we want to look at people's faces and say, oh, he doesn't. Alléluia. Look so bad. Amen. Amen. Aujourd'hui, today, quand vous voyez dans les enquêtes policières, when you look at the, il faut aller sur YouTube. At the police investigations going. Les enfants aujourd'hui, today, qui sont pris par des satanistes, who are taken up by Satan, sodomisés, tués, sodomized and killed. Les gens disparaissent. People are just. On ne sait même pas où sont les gens. You don't even know where they are. Alléluia. Amen. Et ce sont les satanistes qui font ces choses-là. These are Satanists doing. Ils sont cachés. They're hidden. Dans la journée, in the daytime, tu vas voir, see, il habille en costume. They're dressed in a suit. Quand tu lui parles de Jésus, il rit. Talk to them about Jesus, il te dit, mais toi, tu te retrouves à quel siècle là? They'll ask you, what siècle. Alors que la nuit, il vient de boire le sang humain et sodomiser un petit enfant de 10 ans. At night, they will go and drink human blood and. Alléluia. Sodomize a 2-year-old. Le monde des ténèbres est caché. The world of darkness. Les gens veulent qu'on dise, les satanistes veulent se montrer et vous dire, ah, moi, c'est un sataniste, hein, je bois le sang. You know, a Satanist wants to. It's not going to say, I'm a sickness, I drink blood. Alléluia. Amen. Tu as vu quel sorcier est venu dire qu'il est sorcier? What witch do you see that has admitted? Alléluia. En Afrique, là, quand tu dis que tu es sorcier, il dit, moi, je suis sorcier. In Africa, when you say you're a witch, they'll say, pourtant, au moment où tu lui parles spirituellement, il voit, il est là, il a l'air. But as you're talking, moi, comme tu ne vois pas, il te dit, est-ce que moi, je suis sorcier? They're flying spiritually, even as you're talking. Alléluia. Witch. Amen. C'est le monde des ténèbres. It is the world. Les choses sont cachées. These things are hidden. Amen. 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 L'équinoxe d'automne. The equinox of. Lui, il se souvient autour de 21 au 23 septembre pour finir le 21 au 22 décembre. It is the 23rd to the 24th of September to finish the 21st to the 22nd of September. C'est un temps très ténébreux. It is a very dark period. L'automne marque le déclin de la vie. Fall marks the declining of life. C'est la période d'alliance avec l'esprit de mort. It is a spirit. It is a time of year where people make covenants with the spirit of dead. En fait, qui? Who do we celebrate? À l'automne, en fait, qui? In fall, who do we celebrate? Quels sont les trucs décoratifs prédominants? What is the predominant decorations in fall? C'est pas les squelettes? Isn't it skeletons? C'est pas les têtes des morts? Isn't it the skeletons? C'est pas les os? Isn't it bones? Amen. C'est pas la sorcellerie? Isn't it witchcraft? Ce mois, this month, cette saison là, this season, c'est une saison terrible.
It is a terrible season. Amen. Avant, ils faisaient ça en cachette. Before they did it in hiding. Maintenant, les gens s'affichent. But people are displaying themselves. Alléluia. Toute personne que tu vois qui adore Halloween, qui sait, pendant ces fêtes-là, sa maison est décorée, te dit clairement que je suis un agent du diable. Somebody who decorates their house for Halloween with all those decorations. Alléluia. Telling you clearly, I'm a Amen. Devil's agent. Amen. Amen. Ils adorent le diable. They worship Et Halloween, le clou de cette fête, the summit of that celebration. C'est la fin du mois. On est dans quel mois? It is the end of the month of Alléluia. October. Et c'est à la fin de ce mois-là que tous les satanistes du monde entier viennent se réunir de la manière dont nous fêtons l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Le diable revendique que ses serviteurs fêtent son anniversaire. Donc c'est ça qui est l'Halloween. Now, the same way we celebrate Christmas as being Jesus' birthday, it's the same Quand way tu parles de that ça, Satan wants you to les celebrate his disent, birthday. Tu exagères. When you talk about a Christmas, Je n'exagère pas. I'm not exaggerating. Alléluia. Amen. Amen. Les gens sont en train de souffrir. Les gens sont kidnappés. Les enfants sont sodomisés. Les enfants sont attaqués partout. Alléluia. Vous savez quels sont ceux qui sont les victimes de ces personnes-là? You know who are the victims of these people? Ce sont les immigrants sans papier. These are the immigrants that have Alléluia. Ce sont des gens qu'on sait quand ils vont disparaître, personne ne va demander après eux qui sont les victimes de ces personnes-là. These are people, these are refugees that have no papers and when they disappear, nobody will ask about them. Alléluia. Amen. Et il n'y a personne pour les défendre. Nobody to defend Donc, j'appelle les chrétiens. So J'attire votre attention. I'm drawing your attention. Amen. Pour que nous prions pour ces personnes-là. For us to pray for those people. L'esprit de mort The spirit est envoyé partout dans l'univers avec l'adoration de la plus grande pyramide d'Égypte qui est Khéops. Is sent into the world to be worshipped, and that's the god of Egypt. Les conséquences. Cyclops. L'esprit de rébellion. It's a spirit catastrophe. Of catastrophe. Guerre. Wars. Toutes sortes de cataclysmes. All sorts of catastrophes. Solstices d'hiver. The winter solstice. Il débute le 21 au 22 décembre pour prendre fin le 20 au 21 mars de l'année suivante. So it starts the 21st to the 22nd of December and ends the 21st to the 22nd of March. C'est la période la plus froide de l'année. It is the coldest time of the year. Ou des quatre saisons. Or the four seasons. Amen. Amen. L'hiver est placé sous le signe du vieillissement. Winter is placed under the sign of aging. C'est le jour le plus court de l'année. It has the shortest day. Le soleil se lève tard et se couche tôt. The sun rises late and sets early. C'est le temps des ténèbres. And it is the time of darkness. De l'assoupissement. Of slumber. Temps de grandes distractions. Time of great distraction. On se laisse emballer par l'euphorie des fêtes. We let ourselves be carried away. Le volume de la prière baisse. The prayers go down. Et l'ennemi prend le dessus. And the enemy takes control. On organise beaucoup plus les mariages. We organize less weddings. Les baptêmes. Baptisms. Les retrouvailles familiales. Family gatherings. La nourriture est abondante. Food is abundant. La sexualité se pratique à outrance. Sexuality is practiced in hiding. Et pour récompenser à tous ceux qui ont fait toutes ces bonnes choses. And to reward all those doing these wonderful Le diable envoie l'accident, les accidents. The devil will send Le cataclysme. Upon accident, du sang versé et des pertes de vie humaine. Shed blood and loss of human life. Le désordre et l'esprit du monde triomphe. The disorder and the spirit of Blocage. The world triumph. Blockages. Non accomplissement. Non accomplishment. Gel des avoirs. Freezing of stagnation. Being able to succeed Alléluia. And stagnation. Amen. Amen. Donc je vous ai parlé so I've spoken des quatre saisons. Of the four seasons. Alléluia. Amen. Amen. Et de ce qui se passe sur le plan spirituel. And what happens in the spiritual. Alléluia. Donc nous devons faire vraiment attention. So we have to be nous les chrétiens. We Christians. Nous devons, comme le Seigneur l'a dit, like the Lord has said avoir us. Une assemblée solennelle we have to have a solid au début de ces saisons. At the beginning of this season. Alléluia. Amen. Nous devons prendre possession de ces portes spirituelles-là. We have to take possession avant que nos ennemis ne le fassent. Before our enemies. Pendant les fêtes de janvier. During the celebration pendant les fêtes de l'hiver. During the winter solstice. Amen. Yeah. Pendant Noël, During il faut convoquer un jeûne de prière dans ton église. We have to have a time of tu vas voir les visages qui vont venir ici. And you'll see the faces that will show qui up. Vous a dit que Jésus est né à Noël? Qui so vous a dit ça? Told you that Jesus was born en Israël, Israel, à cette époque de l'année, il fait year, tellement froid. It is so cold. C'est quel berger qui pouvait se retrouver dehors what avec manger, son bétail? What manger could be outside with Et à cause de cette raison, and because of that, on demande aux chrétiens, à partir du 11 janvier, du 11 décembre, jusqu'au 1er janvier, l'église doit observer 21 jours de jeûne. The church should be practicing Et on ne voit personne à l'église.
And you don't see anybody in the church. Hallelujah. Amen. Le 25 décembre, vous savez ce que les satanistes font? 25th of December, do you know what Satan is? Ils s'en vont prendre quelqu'un. They go and they ils le déguisent comme Jésus. Et ils le crucifient la tête en bas. As Jesus and crucify them with the head down. Ils prennent les enfants. They take the children. Et le baptême dit, voici l'agneau de Dieu qui est né. And they say, here is the Lamb of God. C'est le messe noire. There's this black mass. Ce ne sont pas des fêtes qui glorifient Jésus. If it's not a celebration, et quand tu parles de ça aux chrétiens, ils sont fâchés. Où c'est écrit dans la Bible que Jésus est né le 25 décembre? Dis-moi. C'est la fête du Dieu soleil. It is the celebration of the sun god. C'est la fête anniversaire du Dieu soleil. It is the birthday of the sun god. Alléluia. Amen. Nous devons être, nous les enfants de Dieu, nous devons être alertes. We children of God must be alert. À chaque nouvel an, each new year, il y avait jusqu'à 10 jours de fête en Israël. There were 10 days of celebration in Israel. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël devaient fêter depuis le premier jour jusqu'au 10e, il y avait 14 jours. The children of Israel had to celebrate from the first. Alléluia. Il fallait consacrer. C'était en fait des combats. It was a celebration des prières prayer pour dégager l'atmosphère spirituelle. To release the spiritual atmosphere. Alléluia. Nous les chrétiens, nous devons arrêter de croire que tout va bien. We have to stop believing that all is well. Rien ne va, je vous dis la vérité. Nothing is going right, let me tell nous you. Sommes dominés. We le are. Monde, l'église, tout est mort. You know, the church, the world, everything is dead. Alléluia. Dans la sorcellerie, le 25 décembre, le premier, c'est là que les sorciers font les sacrifices. Et toi, enfant de Dieu, au lieu que ces temps-là, tu vas jeûner, tu vas prier pour que la puissance de Dieu se manifeste. C'est en ce moment-là on te dit, viens jeûner, tu es fâché parce que tu fêtes Noël. That's the time when you tell it to come and fast. That's when you're angry because you have to celebrate Christmas. Noël, c'est pas l'anniversaire de mon Dieu. You know, Christmas is not the birthday of my God. Alléluia. Amen. Amen. Donc il faut que vous rentrez dans le spirituel. So you have to enter the spiritual. Les gens qui vous entourent sont méchants. The people around you are wicked. Une personne en qui il n'y a pas l'esprit de Dieu est une personne animale. Somebody who does not have the spirit of God is an animal. Alléluia. Amen. Amen. Vous connaissez les animaux féroces là? You know this ferocious. Quand un lion a fait là, quand tu t'arrêtes devant lui, te caresse. When you stand before a ferocious lion. Donc quand la Bible compare une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu à un homme animal. So qu'est-ce que tu attends de lui? Un chrétien. Donc nous, les enfants de Dieu, so we, children, nous devons prendre possession, we have to take possession de, ces, de la porte de ces saisons. Of the doors of these seasons. Alléluia. Amen. Nous devons prendre possession, we have to take possession de la porte de ces années. Of the doors of nous devons years. Briser le pouvoir du diable sur ces années et commander que la porte de ces années-là se lève au nom de Jésus-Christ. Afin que toutes les bénédictions, toutes les bonnes choses que le Seigneur a réservées pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle saison, soient notre partage. Be our portion. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc nous les chrétiens, so we Christians, comment prier pour chaque jour de la semaine? How to pray for each day of the week? Pour la semaine elle-même. For the week itself. Pour le mois et pour l'année. For the month and for the year. Amen. Amen. Comment contrôler les portes de l'année? How to control the doors of the year? Je vais pas prier avec vous. Parce que ce sont des prières qui doivent se faire très tôt dans la journée. I'm not going to pray with you. These are prayers that have to be done. Je vais vous montrer des versets I'm going to show avec lesquels vous pouvez faire ces prières. That you will pray with. Alléluia. Amen. Si tu veux, tu prends note. If you want to take si tu notes, veux, tu laisses. Take notes. Alléluia. Mais moi, je sais une chose. But I know nous devons thing. Posséder ces portes-là. We have to possess. Les temps sont vraiment mauvais. The days are evil. Alléluia. Amen. Chez nous, là. With en us, Afrique, in Africa, quand quelqu'un veut te maudire, when somebody vous savez ce qu'il fait? Il se lève le matin très tôt, il réveille l'aurore. Or early in the morning with the sunrise. Il prend l'eau, il va verser. They will take water and they will il va prendre des incantations sur ta vie. And they will speak incantations. Alléluia. Over your life. Nous devons faire très attention. Let us be very careful. Amen. Amen. Il faut parler à la création. You have to speak to creation. Pour refuser toutes les instructions données par les mystiques. To refuse all instructions given to it by mystics. Tu peux prier avec Deutéronome 32 verset 1. You can pray with Deuteronomy verse chapter 32. Psalm 39 verset 2 à 7. Psalm 39 verses 1 to 7. Et puis le verset 24. And also verse 24. Ou bien le psaume 24 verset 1 et 2. Psalm 24 verses 1 and 2. Tu peux prier aussi avec Hébreux 12 29. Hebrews 12 verse 29. Malachie 3 20.
Malachi 3:20 ou Malachi 4:2 or Malachi 4:2 ou prier avec Ésaïe 22 28 excuse me prier avec Ésaïe 28 pray with Isaiah 28 amen. Amen. Il faut prophétiser comme Ézéchiel dans Ézéchiel 37 verset 9 Ezekiel 37 verse 39 il faut prophétiser verse 9 excuse me alléluia yeah. Il faut prophétiser pour que l'esprit vienne des quatre vents pour effacer toute pollution spirituelle qui a été envoyée sur ta vie. You have to pray with the spirit of the four winds so that that spirit will come and take away all spiritual pollution from your life. Alléluia. Amen. Pour le jour. For the day. Il faut ajouter Ésaïe 54 verset 15 à 7. Verset 15 à 7. 17. Okay. Isaiah 54 verses 15 to 17. Alléluia. Amen. Prière des semences pour l'année nouvelle. So seed sowing prayers for the new year. Il faut prier avec Ésaïe 51 verset 2. Isaiah 51 verse 2. Psaume 65 verset 10 à 14. Psalm 65 verses 10 to 14. Ésaïe 60 verset 18 à 22. Isaiah 16 verses 18 to 20. Joël 2 verset 19 à 27. Joel 2 verses 18 to 20. Alléluia. Amen. Amen. Comment se fait la prise des portes? How do you take hold of the doors? Amen. Amen. Pour que nous puissions prendre la des portes, il faut se préparer. So you have to make a preparation before you take hold Alléluia. Of those doors. Amen. Amen. Il faut se préparer. You have to prepare yourself. Comme dans Exode 12. Exodus 12. Alléluia. La préparation peut se faire par la prière. Preparation can be done in prayer. Le jeûne. Fasting. Ou les actions prophétiques. Or prophetic action. Pour ceux qui sont avec nous ici, for those who are here with us. Vous avez remarqué qu'on aime faire des actions prophétiques chaque début d'année. We like to do prophetic acts at the beginning of each Alléluia. Year. Amen, eh? Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons que c'est l'une des portes les plus grandes. Because we believe that's one of the Mais comme je vous ai dit, like parce que nous faisons ces actions avec vous, parce que nous sommes ici aux premières heures de la du jour qui se lève avec vous. We do these acts with you because we're here. Les autres jours, nous ne sommes pas là. Donc vous devez apprendre à ouvrir vous-même ces portes-là. Mais pour que tu puisses ouvrir les portes, qu'est-ce que tu dois faire? What do you need to do? Alléluia. Amen. Tu dois être un chrétien repentant. You have to be a repentant Christian. Alléluia. Tu dois confesser tes péchés. You have to confess your sins. Tu dois avoir une vie de sanctification. You have to have a life of sanctification. Amen. Amen. Il faut éviter d'avoir une vie souillée. You have to avoid having a defiled life. Alléluia. Comme dans Ésaïe 59, verset 1 à 2. Like in Isaiah 59, verses 1 to 2. Alléluia. Il faut que Dieu ne dise pas qu'il t'a rejeté. You don't let God tell you that he's rejected Comme you. Comme dans 1 Samuel 16, verset 1. Like in 1 Samuel 16, verse 1. Et après la repentance, and after il faut rappeler au Seigneur la promesse de prospérité qui s'attache à la repentance sincère. Remind the Lord of the promise that is attached to sincere repentance. Alléluia. Amen. Si tu es un chrétien qui ne prie pas, if you're a Christian that does not pray, tu pratiques le péché, you practice il faut que tu saches que ces portes, tu vas dire mille fois la porte à s'ouvrir, elle ne va pas s'ouvrir. You know that you can tell that door to open a thousand times. Parce que c'est une porte qui s'élève devant le peuple juste et fidèle. Before a righteous and a faithful people. Alléluia. Amen. Amen, eh? Amen. Amen. Donc si tu es quelqu'un qui pratique beaucoup le péché, so if you're a person that practices si tu es un chrétien de la grâce, of du message de la grâce, là je t'ai dit, ça ne vaut pas la peine. Who believes in that divine message of grace don't bother. Parce que la grâce là, on t'a dit que Jésus a déjà payé pour tes péchés. Because tu peux boire le péché comme de l'eau et tu meurs, tu vas au paradis. You know, that message, demonic message of grace tells you that Jesus has done it all, that you can drink sin like water. Alléluia. And you're still going to get to heaven. Allez-y demander aux sept fils de Sévas. Ask the seven sons of Sheva. Les orcistes. The exorcists. Alléluia. Yeah. Quand ils sont partis pour délivrer le possédé là, qu'est-ce qu'il a, le démon? When they went to deliver a demon possessed man. Il dit Jésus là, moi je le connais. He says, I know Jesus. Apôtre Paul là. The apostle Paul. Mon père aussi je le connais. I know him. Mais vous là, moi je ne sais pas qui vous êtes. But I don't know who you are. Alléluia. Amen. Vous avez vu les puissances qui sont assises sur ces portes là? You see the power that ces puissances à qui ces portes des jours ont été consacrées? The power that donc, si toi-même tu t'es réveillé, vous savez quand. So if you're trying to open those doors, tu passes au scanner du Saint-Esprit et puis tu vois que c'est pas clair là. Maintenant, il faut arrêter. You know, if you pass through the scanner of the Holy Spirit, you see that it's a little bit muddy in there. You have to stop. Acclame Jésus. Give the Lord. C'est ça qui est la vérité. Après, c'est pour venir dire évangéliste, tu nous as menti. And afterwards, you come and tell me evangelist, you lie. Porte là, j'ai ouvert, quand ça s'ouvre pas. Si ça s'ouvre pas là, c'est pas à cause de moi. You know, I'm trying to open the door. The door. Alléluia. But it's not my fault. Il faut avoir la foi. You have to have faith. Comme un grain de sénévé. Like a aussi.
also. Alléluia. Amen. Quand tu vas dire à cette porte-là de s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous montrer quelques points de prière parce que je vous ai donné les versets. I gave you the verses, but I'm going to give you some. Moi, je pense que je vais garder mes points de prière pour la veillée du 30e. Or maybe I'll keep it for the 31st. Donc, c'est un feuilleton qui se poursuit du 11 décembre au 31 janvier. So, yes. To be continued. This is to be continued. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir mes points de prière, il faut venir me trouver ici. Come here on the 31st. Amen. Si tu te trouves partout dans le monde, là, ceux qui vont regarder sur Internet, no matter where you are in the world, je te donne rendez-vous du 11 décembre 2014. We have an appointment here on the 31st of December. Au premier heure du chose de janvier 2015. To the wee hours of the morning on New Il faut me regarder à la télévision sur mon site internet Mijek Radio. You can watch net. Us on Mijek.net. Alléluia. Amen. 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 On va prier. We're gonna pray. On va dégager ces portes-là. We're gonna open those Alléluia. Doors. Amen. Amen. Pour que la gloire de Dieu descende dans notre vie. So that the glory of God nous, les enfants de Dieu, nous devons posséder ces portes-là. Le Seigneur a donné à Israël. Mais l'Église l'a négligé. Soit disant que nous sommes au temps de la grâce. Mais Jésus lui-même dit qu'il est une porte. But Jesus said he was a door. Alléluia. Amen. Amen. Il est la porte. He is the et il a pris la clé. And he's taken quand il est parti aux enfers, il a pris toutes les clés dans la main du diable. Il a la clé de David. Alléluia. Donc, quand tu as cette clé-là, tu peux ouvrir tout ce qui est dans ta vie. You can open up everything in your Mais je vous dis, Église de Jésus-Christ, but Church of Jesus Christ, cette clé s'ouvre that key open pour ceux qui sont justes for those who are righteous et fidèles and faithful et qui ont la foi. And who have faith. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us all. On acclame pour le Seigneur.